Un hibou part en chasse à la faveur de l'obscurité. Deux scarabées s'affrontent. Une vipère à cornes goûte l'air à la recherche d'une victime et suit une piste invisible. Tandis qu'un fennec fouille la terre à la recherche de proies faciles et imprudentes, un rat kangourou profite de la nuit pour échapper à une mort prématurée. Mais un caracal lèche sur ses pattes les restes encore collants d'une victime nocturne. Les nuits du désert de Gobi sont le domaine des prédateurs furtifs traquant des proies qui tentent de se rendre invisibles. Mais tout le monde ici n'est pas un tueur sans pitié. Il existe au moins une créature dans ce désert qui n'est pas encore à son aise parmi les rôdeurs de la nuit. À cette période de l'année, les jeunes gerboises à longues oreilles découvrent la vie solitaire sans protection parentale. Comme la plupart des gerboises, ces animaux vivent seuls et sont entièrement nocturnes. Mais sortir seul le soir demande un petit temps d'adaptation. Leurs longues oreilles sont incroyablement sensibles au son, un talent précieux au milieu de tous ces prédateurs. Sursauter au moindre bruit est généralement payant. Les gerboises à longues oreilles sont si méfiantes qu'on a rarement l'occasion de les observer dans la nature. Et lorsqu'on en voit une, il ne faut généralement qu'une seconde avant que...